Allô, 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 c'est bon, allô, allô. Voilà, ça y est, ça commence. Allô? Alors, le chat, installé. J'ai mal au sinus, donc. Ça va être la bonne ambiance. Donc voilà, je vais lancer l'émulateur et c'est bon. C'est bon. Au niveau du jeu, donc je suis sous antibiotiques depuis une semaine et je tousse toujours. Donc j'aborde ce stream très détendu, dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Donc là on dort. Putain, mais on y arrive hein. Ben, il faut appuyer sur start 10 fois. Donc là il faut retourner à Norfer. Je sais pas ce qu'il faut faire, on verra. Donc, Norfer, c'est où on doit aller au Golden Star tout à gauche. Je sais pas si c'est par là qu'il faut passer pour aller à Norfer, mais... Eh putain, j'ai l'arme ultime et je joue comme une merde. C'est pas grave.
vraiment terminer le jeu quand même, parce qu'au bout d'un moment c'est fini par lasser. On va essayer de faire le passage du bas, tant qu'à faire. Et voilà. Oh putain, mec, ça fait ce truc de merde là avec le double saut qui sert à rien là. Par contre, je comprends pas comment on fait pour passer en bas. Salut Furious, donc j'essaie juste de vérifier comment passer sur la partie bleue là. On a vite un enfer, ok, donc ça y est, je sais où il faut aller. Bon, donc là, oh merde. Putain, pour aller à... Bah en stream, je suis obligé parce que j'ai une mauvaise qualité sinon. J'ai pas un bon débit, j'ai un PC de merde. Donc je suis obligé de faire des jeux rétro jusqu'à la PS1 en stream. Sinon, effectivement, ça rend pas. Parce que là, j'ai un rendu limite HD. Alors que si je fais un jeu PS2 machin, ça ressemblera à rien. Donc là, on va descendre en bas.
Donc là, j'ai tout fait. Ah, mais je suis con, j'ai le. Pardon, j'ai le grappin. Ah, Rome Station. Mais ce jeu avec Rome Station, ça servira à quelque chose. Oui, j'ai Rome Station, mais. Je sais pas qu'on pouvait streamer. Qu'on pouvait voir. Pour moi, ça me semble plus simple. Twitch, mais bon. Le bon sens de la marche. Moi, ouais, quand j'utilise Rome Station, c'est plus pour jouer en multi avec des gens que je connais. Pour avoir une plateforme machin. Mais... laisse tomber. Ah, c'est ça, on va aller en bas à droite. Moi, je connais pas, j'ai jamais regardé les vidéos de Marcus. Il paraît que c'était bien à l'époque. Voilà, j'ai mis pour la caméra, j'ai mis ma peluche et le mot. Oui, t'as la chou. Où je suis? Putain, je suis pas là où je voulais aller, c'est pénible. Je comprends rien à la carte. On a parlé à nos fers, pourquoi ça passe pas C'est gonflant, ce histoire de carte, je ne comprends rien. Et là, il y a un enfer a disparu. Oh, que ça me saoule. J'essaye de faire sans soluce, mais là, ça me saoule déjà au bout de 20 minutes de vidéo de merde. C'est pénible. Ah ok, c'est bon, putain c'était pas clair. Hein. Pas trop clair leur système. Allez. On va voir si je trouve des endroits où il n'y a pas de... où j'étais bloqué jusqu'à présent.
Non, j'ai pas tout fait. Alors là, il y a un boss, j'imagine que c'est ça. Ok, donc je suis au bon endroit. Parce que j'ai rarement fini des jeux, donc à bien moins finir un jeu. Salut Zero Mixer. J'aimerais finir des jeux de temps en temps. Je me lasse toujours avant. Non, c'est parce que c'est trop compliqué. On va peut-être se sauvegarder là. Comme ça, on sait que je suis dans la bonne zone. Si jamais il y a un bug, pour pas me retaper tout le chemin. J'ai mal au sinus que ça me gonfle. Hop. Bon ben voilà. Ce serait trop simple. J'imagine qu'il faut passer de l'autre côté. Alors pourquoi nous avoir mis un truc ici? Là, faut courir, voilà, c'est ça, il va falloir courir. Au moins qu'il y ait un truc au sol. Et ouais. Ah, mais pourquoi là ça l'a ouvert, je comprends pas. Des fois on peut pas tirer parce qu'on est de l'autre côté de la barrière et des fois oui. J'ai rien capté. Pas compris. Attends. Bon, on va aller tout à gauche alors. Même si là ça sert à rien. En même temps il y a une salle de sauvegarde, autant la faire. Pas le boss ici, non. Je vois déjà en haut à droite. Ouais, peut-être qu'on peut passer par la gauche. J'aimerais bien faire tout en rose. Salut Gigamerdi. Oh, putain le con. On peut aller dans l'eau. Waouh, ça y est, je peux aller dans le truc, super. On va quand même redescendre en bas. En bas à gauche, j'aimerais bien aller en bas à gauche. Bon, là c'était le boss.
Voilà, je veux pas rester dans la lave. Tout à l'heure, je pouvais y aller. Bon, on va passer peut-être par la droite. Non, je peux sauter. Ouais, non, c'est ça. Alors, j'avais pas fait ça. Tout ça pour ça. Ouais, c'est vrai que ça fait fluo. Non, voilà, ça va. Quand ça va pas, on comprend pas le. C'est pénible ça. Pourquoi des fois on peut passer dans un sens, pas dans un autre? Pénible ce truc. Après, il faut pas s'étonner. Oh putain, que c'est pénible leur truc de merde. Bon, on va essayer de passer par en bas. Oh putain, en plus on se fait toucher, putain c'est pénible. Je vais l'avoir fait ça. Un salut ultra fer. J'essaie, il faut que je finisse le boss à Norfer. Mais là, je me disais, ah, il reste des endroits où aller. Putain, c'est pas possible d'être aussi manche. Putain. Salut Super Mario. Donc là j'essaie juste de voir s'il n'y a pas des trucs cachés. Bon bah j'ai fait tout ça pour rien. Parce que là. C'était juste pour voir ce qu'il y a au fond de l'eau, mais vu
qu'il n'y a pas de points, il n'y a rien de... C'était juste voilà, pour dire que j'ai fait toute la zone en rose. Comme dirait dans Kaamelott, par acquis de conscience. Et là, on va essayer d'essayer d'avancer un peu, d'aller au... de trouver comment faire pour accéder au boss sans Solus. Ça pour nous faire gaspiller un truc qui sert à rien. Donc là je vais aller à droite. Ouais, en haut à droite pour essayer de retrouver le chemin que j'ai pas fait. Ils auraient pu effacer les trucs quand on ramassait effectivement les bonus, nous les enlever quoi. Parce que là on sait jamais. Alors. Juste pour voir. Voilà, allez à droite et en bas. J'ai la méthode Koé, je sais que je vais pas y arriver, mais. Ça, donc ça doit être le point pour l'énergie, je sais pas. Voilà, tant qu'à faire. Bon, ça doit être là, alors si j'ai pas pu passer la zone, voilà, ça y est. Moi, c'est juste quelques passages qui m'ont gonflé, mais sinon, effectivement, il n'y a pas de défaut à ce jeu. Après, si c'était un jeu trop simple, il y aurait plus d'immersion, machin. Bon, pourquoi j'ai pu passer par là? Pourquoi tout à l'heure j'ai pas fait? Il n'y aurait pas d'immersion si c'était trop simple, mais bon. Par moment, il ouais, y a de quelques trucs, si on a... Si j'ai l'aide, ben voilà, j'ai passé, mais bon... Ouais, donc en gros, c'est ce que tu disais. Ouais, j'imagine que là, c'est un boss. Je suis full life. Et la plupart des boss, je les ai battus pas trop difficilement. C'est plus le wall jump et toutes ces conneries comme ça qui ont été chiantes. Bon. Où est cachée la solution? Thank you.
il va rien dire. D'accord, j'ai pas capté. Peut-être qu'avant d'aller à Norfair, il fallait retourner à Crateria, parce qu'il y a une salle où, en fait, d'après ce que je me souviens, il y avait une salle bizarre avec de l'eau, il y avait trois personnages. Voilà. Alors là, je peux aller dans la lave, ça craint pas. Et puis des fois, ça craint. Ah putain, c'est chaud. Mais non, on peut pas les... Ouais, ça doit être un boss. Voilà, ça c'est la partie du boss. Et là, à gauche, je préfère pas y aller. Parce que je sens que ça va m'en faire revenir au départ et je sais plus comment on fait pour passer par là. Ah, s'il y a une musique, c'est un boss. Ça, à la rigueur, oui, ça, je suis d'accord. Ah, voilà, là, je m'en souvenais, ce qu'on m'avait dit l'autre fois. Ah, salut, Babubi, Bocus. Donc là, j'ai fait 100, pour le moment, j'ai fait 100 astuces. J'approche du boss quoi. Je me suis dit, attends, je vais me faire avoir. Si jamais il y a un trou caché. Je crois qu'ils nous ont donné énormément. Non, j'ai préféré. Je vais pas regarder cette vidéo à la con, prétentieuse j'imagine. Donc je préfère m'abstenir. Je suis pas trop. Je suis ni sadomaso, ni. Et merde. Oula, c'est un boss, c'est ça.
va le dire. Je suis ni sadomaso, ni adepte du dîner de con, même si on pourrait avec le cas de cette vidéo et du personnage. Là je bourrine, hein, la technique moi que... Bah, c'est de la vidéo qui va durer 6 heures, non? Il raconte que c'est lui, que c'est le seul qui a compris le jeu. Et que... Mais on peut pas le battre à la suivante. C'est qu'avec le... Il me faut des super missiles, je crois que c'est qu'avec ça. Parce que si on faisait une vidéo sur Dark Souls, on disait ah, je suis le seul à avoir compris tout le machin, ça serait pédant quoi. C'est aussi pédant que les vidéos de Romain Vincent sur les JV en classe. Oh putain, mais je me suis fait avoir là. J'ai pas réussi. Pourtant avec... Allez mais putain! Est-ce qu'on est safe là? Super missile, putain, ça tombe bien. J'ai pas assez de vie, je comprends pas comment on fait pour viser sur ce con. Putain, salut. Salut Rafi, je comprends rien au jeu. J'ai plus assez de... Putain, Hyper Punch. Allez, c'est Sagat, j'ai rien compris. On va faire load machin là. Load position, ça sert à ça. C'est la bonne triche. Bon, alors peut-être que j'ai qu'à faire plutôt tout à droite là cette fois-ci, puisque j'ai vu ce qui m'attendait vers la gauche. Donc, je vais aller plutôt à droite pour commencer. Et si jamais c'est pas bon, je reprendrai le save state. Moi j'ai jamais vu de, non plus, de, je connaissais pas cette partie là du jeu. Je connais quelques screenshots et le jeu j'ai jamais regardé. Donc là on va plutôt aller vers la droite. Que j'ai pas fait. Si j'ai fait, pourquoi alors ça va pas. Bon, là je m'éloigne de l'objectif, donc il faut y retourner. Là ça m'a pas gardé, je crois, en mémoire les...
Ben là, là. J'arrive même pas à dire. Ce que j'ai visité comme endroit, là, machin. Bon, attends, qu'à faire, on va pas se faire chier. Donc, game position, hop. Je tourne en rond là, ça me gonfle. Faudrait que je suis allé à quoi là, c'est là qu'il faudrait que j'aille à droite pour voir un peu ce qu'il y a. Au moins qu'on soit encore emmerdé par un boss, peut-être que la gauche était l'endroit le plus simple. Faire le point parce que j'ai pas assez de super missiles. Il paraît que je suis à 75% de l'avoir fini. D'après ce qu'on m'avait dit. Vu qu'on m'a dit qu'il y avait aussi une surprise, peut-être que ça va faire comme Zelda Link to the Past. Quand on a fini la première fois, en fait, je dis une connerie, hein. Tant c'est le stage est inversé, je sais pas quoi. Il faut ressortir et ça va être de nouvelles énigmes et tout, tant c'est ça. Hein. Oh putain. Bah là, ça fait 6 heures que j'y joue en tout. Je me souviens plus au début là, quand j'ai lancé la sauvegarde. J'y suis à 6 heures de jeu. Mais il paraît que le jeu on peut le finir en 6 heures. La durée de vie est de 6 heures. Bon, là on peut pas passer alors. Je me suis fait chier à aller tout là pour rien du tout. Voilà, j'ai gaspillé un super missile. À 8h30, bah putain. Donc c'est pas RPG, mais quand même. Bon, donc là ça servait à rien que je passe par là. Ben oui, c'est plus que déjà un jeu Wii U au niveau de la durée de vie. Bon, je vais devoir me taper ce putain de boss que j'y arrive pas. Pas mal de temps parce que je sais pas où est la hitbox du mec, il faut l'user, tirer dans la tête ou dans le ventre. Et là en plus je suis pas full life. Là je descends directement vers la gauche, on va gagner du temps. Peut-être ça l'astuce pour pas se faire toucher alors. Voilà. Ouais, cette lave on se fait toucher. Et celle-ci, on ne craint rien. L'autre après.
un super missile caché. J'ai essayé de l'attraper au tout début, avant que le combat ne commence. Je vais avoir un petit laps de temps. Non, c'est pas là. Pourquoi j'ai pas accès là? Ok. Il n'y a même pas besoin de sauter. Ok, il n'y a même pas besoin de sauter, je me faisais chier à sauter, en fait il faut lui tirer. Bon, il craint. Il craint que les super missiles. C'est pas ça que je veux faire. Putain, c'est chiant ce système à appuyer sur Select. Allez, envoie-moi tes boules pour qu'il puisse me... Putain, j'ai besoin des super... Putain, mais ça marche pas un coup. Oh putain que c'est pénible. En fait, il faut lui tirer dans les jambes, mais après... Des fois, quand on tire, ça le touche pas. Et là, faut qu'il me redonne des boules, sinon je peux pas avoir de... Allez, mais pousse-toi là. Voilà, là, j'ai tiré dedans, ça y est, ça lui a rien fait du tout. C'est pénible. Même le tir... Putain, mais j'ai tiré encore dedans, c'est pénible. On lui tire dedans et ça sert à rien, il est invincible. Oh putain, ça me saoule. Des fois on lui tire, si on veut lui tirer deux fois d'affilée, voilà, ça le touche pas.
C'est pénible, c'est quoi ce hitbox de merde hein. Rien dans cette histoire. Mais pousse-toi, il me donne même pas des trucs. Mais pousse-toi. D'accord, ok, merci, les ironiques certains, je comprenais pas la logique. Qui m'en donne là, ce con. Allez, vite, donne-moi ça. Vite, putain, merde. Putain, c'est pénible. Vite. Allez, j'ai loupé mon tir, putain de merde. On voit comment il fait pour eux. Si on voit pas des boules, c'est con. Putain de merde. Et en plus les gens ils avaient même pas de save state, il fallait qu'ils se refassent chier à refaire tout le truc depuis la dernière ligne de droite, depuis la dernière sauvegarde. Se retaper 50 fois la même merde. Putain, je tire jamais. Fait chier à me les choper ce con. Mais pousse-toi! Putain, de pouvoir lui sauter par-dessus, c'est pas évident. Ouais, cette fois-ci, c'est la bonne, ok. Mais putain. Ouais, faut pas que je fasse load, il faut que je fasse bien save. Eh mais putain, alors là je suis où? Et ça c'était que le mini-boss, j'imagine. Waouh! Ah, screw attack.
trouve la tactique du gendarme. Waouh! Voilà, là maintenant on comprend à quoi elle sert. Attends. Par contre, c'est pour arriver. Je veux remonter tout en haut là. Bon, on peut pas, ça me saoule. Allez, c'est. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bon, moi je voudrais remonter en haut, je pense que j'ai pas réussi à parce que. Eh ben putain! C'est ça que je voulais faire. Déjà en avance, ah, j'ai pas pu aller en haut, un peu plus au-dessus. Ah. Je suis allé tout à l'heure. Hein. Ah voilà, c'est là. Enfin, je crois, hein, dans ce qu'on attaque, je vais pouvoir passer par le plafond. Ah. Ah, le plafond. Ça marche pas. Bon, la screw attaque, elle veut pas. Je veux dire qu'on peut passer que. Ouais. Que par le haut. La voix, je comprends pas. Encore perdu du temps. Si c'est pas là qu'il faut aller, d'accord. Voilà.
putain, ouais. Je vais faire qu'il y ait une sauvegarde et un truc d'énergie. Oh putain, il y a ces cons qui sont... Allez, putain! Je sais pas comment... Comment on les baise, c'est... Mais putain. Ah, il y avait un truc en haut, je suis sûr. Putain, j'ai même pas assez d'énergie. Ah, putain de merde. Putain. Putain, chiant leur truc. Tous retaper, ça me saoule. Ça marche même pas leur truc de. On dit qu'il faut attendre, mais ça marche pas. Faut attendre un cycle avant de relancer comme un yo-yo là. Ah putain, elle ne veut pas le lancer, le truc. Ça veut pas lancer le deuxième double saut de pute. En plus avec un scrolling. Putain, mais il me fait la boule! Mais vite! Je sais même plus où il faut aller maintenant que j'ai tout à refaire là. Ouf, voilà déjà ça m'a l'air un peu plus simple. Putain mais j'attends de retomber. Hop. Personne, en tout cas, c'est un plaisir.
quoi là? Quel intérêt de me faire aller là? Ah ben c'est la truc de tout à l'heure que je cherchais. Ah ben non, je suis con, j'ai carrément. S'il n'y a pas un truc secret. Non, mais ça sert à rien en fait. Si on veut revenir pour je sais pas quoi. Putain, mais elle se lance cette tactique de boule de pute! Mais putain, c'était chiant ce passage! On comprend rien à pourquoi ça marche des fois. Ah là, je les ai bien baisés, ils ont cru me faire un trou là. Il manque pas d'y avoir une trou. Bon, ça va le coup de la boule. Allez, Indiana Jones, ça va 5 secondes. Là je fais ça sans map machin. Donc, je sais pas où je vais. En tout cas je vais pas vers le boss mais j'aimerais au moins avoir un truc de un point de save. Parce que là ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans la zone comme ça. Avoir un save state je suis pas fan. Oh putain, qu'est-ce qu'ils me font chier avec leur système là. Putain, même avec la truc électrique, on peut pas. Et avec le. La... J'ai essayé. Boum, non, ça marche pas. Passer par en haut. Et là en haut il n'y a rien. Oh, ils m'ont fait chier à faire tout ça pour rien. Ouais, mais là quand on passe dans ce côté. La boule est fatale, super. Bon, je sais pas où il faut foutre, ce qu'il faut foutre. Hein. Bon, mais on va tomber dans le trou. Yeah.
là j'ai pas beaucoup d'énergie. Il y a un e-tank, merci. Donc je vais regarder un peu. Ah mais avec le décalage il doit y avoir un... Ça devait être dans la salle d'avant. Et on peut les buter ces cônes de... Pour l'instant j'ai rien vu. Mais c'est ça. Ok, on peut pas le voir à l'orient, mais c'est vrai, putain. Ah bah oui, il est là, tiens. J'ai fait au pif. Bon, les missiles, ça sert à rien. Bon, là, je vais pas là où il faut aller. Ah ok, ouais. Donc je fais demi-tour. Ok. En tout cas, le e-tank, je l'ai pas vu. Ah ok. Ouais. Bon, il y a un item caché quelque part, hein, je vois pas. Hein. Et là, c'est la fameuse salle où je peux la passer par-dessus. Pouvoir bombe. C'est une power bomb, c'est une... Comment ça s'appelle? Une attaque de cage de je sais plus qui. Celle des rochers. Mais on peut même pas passer par là.
Ah voilà, vous me disiez. Donc la salle des rochers. Si je savais comment les buter. Voilà. Là j'essaye de trouver tout seul. Peut-être qu'il faut buter un rocher. Peut-être que le hitan qui est caché dans le rocher. Là j'ai trouvé tout seul hein, au pif. Ah pour ça ouais. J'ai cru que j'avais trouvé là, tout seul le truc de tissu power bomb. Bon mais si c'est pas là. Là je fais tous les côtés. Peut-être à droite alors. Waouh! Dans la bouche. Mais putain, fallait être sûr, hein, putain. Ça, faut le savoir. Il n'y a pas de salle de pour sauvegarder, ça c'est un peu dommage. Je reviens. Je suis allé me chercher des gaufres au miel. Voilà. Oh.
En sachant qu'avec le plastique, vous pouvez ranger vos CD GameCube en loose. Et avec la boîte, vous pouvez vous faire des boîtes Game Boy ou NES. Là, faut aller en bas, je crois. Bon. Je vais retaper un truc. Ça va plus vite là. Je l'ai fait, c'est ça. Ah, et ben enfin. Parce que j'aime pas me reposer trop sur les save states, après c'est de la triche. J'enlève le curseur. Je sais pas combien j'en suis du jeu, je sais pas si c'est 80% ou si c'est quand même plus 90, parce que j'aimerais bien le finir. Hein. Pardon, l'émotion. Non, il n'y a pas de truc caché, on sait jamais. Ah putain, il y a encore un boss. Mais il n'y a que des boss dans ce jeu. Il n'y a pas de passage. Je vais manger ma deuxième gaufre, comme ça ce sera fait. L'inconvénient, c'est que ça met des miettes partout. Ah, j'enlève l'écho, ça ira mieux. Parce que j'ai commencé plein de jeux en stream. Et j'ai laissé en plein milieu, donc c'est un peu dommage. J'aimerais mieux au moins finir un jeu en entier en stream, quoi. Il allait m'avoir ce con.
Parce que les tanks, en fait, on croit qu'on en a plein, mais... On n'en a pas tant que ça. Hein. Là, s'il n'y a pas un truc secret caché. Ah voilà, power bomb. Doutez que il pourrait y avoir quand même quelques petits trucs cadeaux cachés. C'est pareil, peut-être qu'en bas il y a quelque chose. Non, il y a... Ah ! Non, mais là c'est... Putain, heureusement qu'il m'en restait une de... Sinon, de super missile, sinon j'étais pas dans la merde. Là, on se rapproche du boss. Oh mais putain, lui il est chaud là. Lui, oh, ça va, oui. Comment on fait pour les battre, ces connards? Non. Comment pas? Bon. Faut leur tirer dans le dos. Donc ça me gonfle. Même la sac boule, ça ne leur fait rien. Putain, que ça me saoule. Putain, j'ai pas toutes les attaques. Non. J'ai beaucoup de stamina. Putain, quand elle se transforme en jaune, là. Allez, mais mets ton jaune, connasse. Une fois, il change de couleur. Hein. À moins que ce soit un... Allez! Putain, mais il met une heure à... Il fait chier ce tir de merde! Il met une heure avant d'être... de se lâcher, là. Allez, mais bouge ton cul. Ouais, mais là, il change pas, là. Bon, il change de couleur, c'est couillon. Allez, lui, il est planté, là. Là, quand ils veulent, ils changent de couleur, là. Là, il change quand, là, ce con? Là il change plus, c'est fini là. Putain, c'est dur 2 secondes, le temps de tirer et qu'on s'en rend compte, ça marche pas. Eh ben putain, ce connard. Rentre chez toi, fils de pute, va de truc de... couleurs de merde, ils font chier c'est faire des jeux comme ça. Je m'adresse au jeu, hein, pas aux gens du chat là. Je traitais le personnage du jeu là. Truc de merde là. Mettez une fois sur 20, il se. Putain, allez, il se transformait, c'est con. Et là, on va faire du.
faire du farming un peu. Ça avait manqué. Salut Forman. Là j'ai tenu, j'ai pas trop utilisé de Solus. Ah, non, ils veulent plus me donner de cadeaux. Je fais exprès de farmer. Putain! On m'a aidé pour le e-tank qui était caché. On m'a dit qu'il était en bas. Donc après, j'ai trouvé l'entrée. Mais si on m'avait pas dit que c'était dans cette salle, j'aurais pas pensé à aller en bas, quoi. J'aurais pas vu qu'il y avait une grotte en forme de bouche. On m'a pas non plus tout dit, mais on m'a quand même. C'est moins que l'autre fois. Quoi. En même temps, ça fait peut-être 10 heures maintenant que j'y joue à ce jeu. Pour une première découverte, j'ai dû mettre du temps, quoi. Je crois qu'on peut le finir en moins d'une heure. Là, je crois que c'est Vitendo, il a fini en moins d'une heure. À moins que ce soit la version NES qu'il a fini en moins d'une heure. Sans être touché. Sans mourir, en tout cas, il a dû être touché, oui. Mais sans perdre une seule vie. Je sais pas combien de fois il faut y jouer pour y arriver à faire ça. Mais... Allez, là, c'est bon. Hop, un petit save state. Allez, c'est le boss de merde là. Hop, hop. Oh, putain, mais en plus s'ils mettent des repopeurs là. Ouais, je connaîtrai le jeu, je ferai quand même des erreurs. Hein. Je perdrai des vies. Ouh ! Ah, là maintenant on nous montre le chemin alors que tout à l'heure... Ah bah oui, vas-y, j'imagine puisque j'arrive. Donc là il faut être full life. On va essayer de revenir un peu en arrière. Ah, le jeu plante. Je pense que mon ordinateur va s'arrêter de fonctionner, hein. Ne vous inquiétez pas, je le sens gros comme une maison. Un bug d'ordi, mais qu'est-ce que c'est? Putain. Ouais. Je sais même plus si j'ai fait save state juste avant. Bon. Load state, tant pis. Putain, ça va, heureusement que j'ai fait une save state là, hein, parce que... Je sais pas ce qui s'est passé là. On va refaire, on va se mettre là. Une CC2. Je vais voir si en revenant dans mes pas. Non. Faire le... Eh merde, je... Là c'est bon. Donc là, save state 1. Et là je suis bon, je suis à 99%. Quoique j'ai pas beaucoup de super missiles. Je vais revenir en arrière. Parce que je pensais à la vie, mais pas... Si j'ai pas d'armes, je peux pas le buter le boss.
crois. Putain, j'oublie à chaque fois. À gauche, c'est super missile. Putain, il faut des bons effets avec ça pour pas se faire. Allez, maintenant on se fait. Full life, voilà, j'ai 30 super missiles, je crois qu'en même temps je peux en avoir. Voilà, 35. Putain, j'ai oublié que j'avais le saut. Donc pourquoi un point d'interrogation ? Bah là je suis full life, c'est bon. Save state full life, après j'ai pas toutes les... Le con, j'ai fait Lloyd. Oh putain, faut que je me retape ce que je viens de faire là. Putain, mais c'est pas possible. Putain, mais à chaque fois, putain, j'ai appuyé sur le bouton. Ah, le boss, ok, non, mais ça je sais pas. Partir à zéro, j'avais. Oh putain, que c'est pénible ce système de save state là. Le... Avec une petite déformation. Dans le fond. Putain, mais avec le temps que j'ai perdu pour avoir les 35 trucs. Ouf. Ça, je m'en fous, je suis con. Putain, super gameplay là, exactement rien. Allez, save state là, putain que c'est pénible. Et le boss de merde là. Ah. Putain, mais lâche-moi, cousin! Bon, il, là-bas, au moins il craint.
Il craint les missiles. Parce que les boss où c'est que des super missiles. Ben, au bout de la passerelle, j'y suis là. Putain, mais je l'envoie dans... Costaud, le connard, là. Et putain, mais... Lâche-moi, putain! Ay, merde, putain. Putain, mais crève, hein. Les missiles normaux et après on finira par les gros parce que ça me saoule là. Tu l'as vu celui-là dans ton cul là? Ça fait ralentir le jeu quand je lui envoie des poules dans la gueule. Hop. Et mais zut. Putain, mais j'arrive plus à toucher là. Allez! Même pas quand il vous l'arrive. Putain, mais c'est pas pénible. Putain, je me mets au bout de la truc. Fais chier. Putain, mais je me suis mis au bout. Et putain. Je gaspille tous mes trucs de merde.
Ah bah putain, ça y est, j'ai pas compris pourquoi il m'a attrapé pour exploser. Ils font chier ces boss. Ils font tous chier dans ce jeu, que ce soit tous les boss, le level design. Il y a tout qui fait chier. Alors là, il y a pas un truc caché. Bon, j'ai fini le jeu, non? Il y a encore un boss à la fin. Allez. Une énigme. Je suis allé là pour rien. C'est peut-être fait exprès. Ah. Yeah, voilà. Energy tank. Trouver tout seul là, sans astuce, sans rien. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Bon. Phase finale du jeu. Oh putain! Donc là, il faut sortir en haut à gauche. Je vais aller à droite et je vais monter tout en haut. Mais voilà, c'était les trois tasses, mais je sais plus où elles sont. Quand ils ne le mettent pas sur la carte. J'espère qu'il faut pas se les retaper pour pouvoir sortir de là. Ça serait sympa. Non, ça va. Ouais, les trois statues. Ouais. Ah putain. Chier. Là. On s'en fout, je l'ai déjà fait. Et j'espère qu'il y a un raccourci parce que sinon c'est chiant. Bah là ils m'ont mis full life de toute façon. Tout en haut à droite.
Ah, il y a le full melee seal aussi, d'accord. Je pensais que c'était que la vie. Pour passer par la droite, parce que je me souviens. Voilà, et là on va à gauche, je crois que c'est ça. Oh oui, j'ai fait le passage secret, c'est pour ça. Allez, pousse-toi! J'ai chopé parce qu'on m'a dit qu'il y en avait un, sinon j'aurais pas pensé. Mais un peu plus tard, vous étiez dit, ça peut qu'il y ait. Ah, c'est con, j'ai pas pu aller en haut. En même temps, il y avait rien. Pas si c'est là ou s'il fallait descendre. Brinstar, ça doit être là haut. À gauche, voilà. À part s'il y a encore un mur avec un système de grillage, là, on peut tirer que dans un sens. Ah, là, cette lave-là, je crains pas. Ok, c'est l'acide, c'est pas la lave. Mais putain. J'aurais pas pensé. Moi, c'était de la lave dans les deux cas. Ah, voilà, enfin on y est arrivé.
Ouais, putain, c'était... Ouf, en même temps, je suis pas sorti, là. Cratérien. Il y a des nouvelles armes, genre le screw attack. On l'a au dernier moment. Ça sert à rien en fait. Ça nous sert à... Parce que bon, oui, voilà cet ennemi là, mais finalement ça sert pas. C'est du gadget quoi. Les premiers, le grappin, ça. Le grappin, oui, a un intérêt, mais alors il y en a où ils l'ont mis à la fin en cadeau, ils savaient plus quoi faire. Taper là, énergie maximum. Sauf eux. Ah putain. Non, connard. Là, je sais plus s'il faut aller à gauche ou s'il faut monter et à gauche. Putain, en plus avec... Oh! Allez, putain, il fait chier ce jeu. Oh, putain, mais c'est pas possible, je peux pas passer par là. Il va falloir me faire chier à faire tout le tour. Ben là ça passe, j'ai pas compris pourquoi.
faire que c'est le bon truc, parce que il y en a où ça nous, on est bloqué à un endroit où il faut pas, ça m'énerve. Ça va. Un boulet gore Xavier Bertrand, pousse-toi. Putain, mais recule pas. Allez. Putain, chier ce truc. Je porte pas les jeux où quand on reçoit un coup, on doit reculer, ça me saoule. On va sortir de ce bourbier là. Voilà, j'ai fait toute la zone. Boum. De chaque arme. Il faut 11 super bombes. Bah là j'ai 40, c'est bon. Alors là il faut aller je sais pas où. Parce que je sais plus où était la salle spéciale. Parce que la salle spéciale, c'est on va aller au milieu, en bas à droite, là. Je me souviens pas, non, ça doit pas être là, parce que quand on commence le jeu, on n'y a pas accès, donc... C'est une salle qu'on fait au début... En plus, y a pas, ils auraient pu mettre un visage. Peut-être tu allais tout à gauche. Donc, non, au début, on n'y a pas accès là, tout à gauche. Donc, bon, ben, j'ai lâché ma bombe en appuyant sur R et L. Ah non, une super bombe, ok. M. Est-ce que... Non, M, c'est la map.
Non, mon avis, c'était une salle où on rentrait par la droite. La salle spéciale. Donc je vais aller tout à gauche. Ouais, c'est tout à gauche, alors en haut à gauche. Je crois, hein, je fais ça au pif, mais ça me saoule. Tourner en rond pour rien du tout, là, c'est gonflant. Juste pour se rappeler d'un endroit, là. Juste une salle, avec une info. Qu'on rentrait, on allait vers la droite. Bon, c'est peut-être cette salle-là. Avec un point. Parce que je vois qu'il y a un point et qu'après il n'y a pas de sol. Voilà, putain, j'ai trouvé tout seul. Waouh. On va descendre en bas parce que je vois qu'il n'y a pas de barre blanche au sol dans la map. Donc je suis à 99% du jeu, j'espère, parce que les meilleures blagues ont une fin, quoi. C'est toujours, je peux comme il disait, De Gaulle. Blagues les courtes sont les meilleures. Donc là, je fais une petite save state. L'eau. Et Mother Base. Alors là on a quoi? Une zone. Oula, il y a deux zones de save pour ce... une petite zone comme ça, toute petite. Ça me paraît bizarre. Allez, putain, fous-moi la paix. Eh ben putain, elle fait chier cette salope. Mais putain. Putain, et ça le one shot pas. Ah mais putain, ça y est.
D'accord, moi j'ai fait la technique la plus minable. Et non, putain, c'est le temps d'appuyer, de les geler. Et de re-appuyer sur Select, c'est chiant. Généreux en cadeau. Mais le temps d'appuyer sur Select et pour après bouger et éviter le tir des ennemis, c'est chiant. Ah, lui il craint pas. La bonne affaire. Les ennemis qui craignent plus les tirs. Putain. C'est les boss où il y a tous les... Allez, putain! Putain, mais lâche-moi le cul, là, elle fait chier! Je comprends pas, là! Pourquoi game over? Et Pipo!
début du jeu, je me souviens même pas du début. Coucou. Boum. C'était Pipo. C'était du Pipo. Ah bah, très bonne idée. Après, je vais me faire un thé. Après cette review. Pas cette putain. Ouais, bah, je me souviens plus du jeu. Allez, mais pousse-toi! Allez! Ouais, je suis le bébé, la maman de Pipo. Pousse-toi. Mais pas ça. Vite! Allez, mais crève-le, ce connard! Mais pousse-toi! Ah non, pète-lui le cul, ce fils de pute! Allez, là il va se revenir. Prends ça dans ta gueule. On dirait une musique de Mortal Kombat. À ça la scro attaque, on fait une attaque à la Zidane, hein. Boum, putain, mais je comprends pas, ça le touche jamais ce connard, hein. Allez, lâche moi le cul. Et comme un con, j'ai même pas fait de save state. Ah mais t'es un bon de chien.
Pour changer le grappin et ensuite revenir à l'arme normale, on appuie deux fois sur Select, on peut pas bouger la manette, donc on se fait toucher. Putain, crève connard hein. Allez, merde. Putain, c'est fait chier. Salut Gorvenim. Chiant alors ce jeu là, en plus faut tous se taper l'endroit chiant là. Il faut utiliser tous les missiles, fait chier. Putain, on se fait que te faire toucher comme une merde. Putain, mais pour éviter ça, on est obligé de se faire toucher. C'est 50 trucs, eh bien un petit peu. Il y en a 50 000 là. Putain, ils auraient pu faire le bouton start comme dans Megaman quand on veut changer d'arme. Ils me font chier. Allez, mais pousse ton cul. Pousse-toi. Allez, putain, mais... Allez, j'ai déjà plus de missiles. Ah mais on s'est touché. On peut pas l'éviter, même en sautant. Putain, mais comment tu fais pour éviter ça? C'est scripté, c'est pénible. Je suis allé tout en bas là, fais chier. Impossible. Chier. Il va me sauver là, le bébé méduse de merde là, putain. Allez, c'est scripté là. Ah, Pipo, j'en étais sûr, bouffe le cul, fils de pute. Thank you.
Ouais, il me redonne l'énergie, ça c'est pipeau. Vite, putain, ils font chier. Dégueulasse si le bébé méduse y crève. Ils font l'infanticide dans un jeu vidéo, c'est dégueulasse. Allez, il faut me buter là, ce connard. Allez, tain, ça va, ça m'a dégoûté du jeu là. Putain. Vous pouvez pas dire que c'est une vieille mamie qui m'aidait. Non, il faut qu'ils disent que c'est un jeune bébé qui m'aide. Putain, va te faire Dieudonné, sale boss de pute. Voilà, crève. Bâtard, va. Putain. Crève, connard, je t'encule. Putain, on a fini un jeu. Une 9 heures pour finir un jeu. Crève, fils de pute, là. De gigolo, fille de gigolo. Allez, crève, ça y est, ben putain. Allez, vite, on se casse, là. Vite, vite, allez, vite, 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 allez. Fais pas le con. Un petit save state parce que si je me fais avoir connement. Allez vite hein. Crevez tous la bande d'enculés là. Je sais même pas où il faut aller, putain, mais c'est pas possible, la merde. Mais putain, c'est où qu'on part hein? Mais j'ai perdu déjà... Putain, mais connement! J'ai perdu 30 secondes, connement. Je sais même pas où il faut aller, si c'est en bas, en haut, je comprends rien. Oh, que ça me saoule! Mais casse-toi! Putain, allez, maintenant il y a l'acide, allez! Puis ça fait que trembler, on comprend rien. On se casse là. C'est dans Metroid de NES, c'est comme ça la fin. Allez, je fais des petits sauts de merde parce que sinon je sens que je vais retomber comme un con. Salut barbe de capucin, hop. J'essaie de finir un jeu en direct. Allez vite! Vite!
Tiens. Allez, on se casse là. Voilà, c'est les trois. Je sais imiter Michael Jackson des trois manières. Quand il fait ouf. Là, j'ai du skill, c'est exceptionnel. Mais chier, il faut encore plus. Putain, la méduse, il était trop cool. Et puis le pipo méduse là. Putain, c'est trop cool. Même pas ça, mais je sais même pas qu'il y avait des animaux à sauver dans ce putain de jeu. On comprend rien, il y a aucune info. Les gens disent ouais, Demon Souls, putain, c'est trop dur, on comprend rien. Mais là, il y a aucune info, il y a rien. 10 heures tout rond. Ouais, putain, je suis un vrai gamer, moi. J'ai mis 10 heures à finir le jeu et en plus, des gens m'ont aidé. Super, Metroid Staff. Les enfants. C'est ainsi que s'achève ce Métro du cul à Super Metroid. Les enfants, ne refaites pas chez vous ce que vous avez fait dans le jeu vidéo. Le catéchisme du vidéo game doit rester. Excusez-moi, c'est les mots du haut, je trouve pas les mots. Doit rester une occupation virtuelle. Les enfants, maintenant que le jeu est terminé, grâce au petit Benoît et au petit Antoine de la team des FEP du 68, je vous invite religieusement à prendre un petit goûter chez Pépé. À votre disposition du thé au miel. Thé à la vanille ou thé vert. Des gaufres. Ou du chocolat. Que le chocolat t'accompagne dans ton goûter pour des siècles et des siècles. Amen. Yes, à peine, putain, fait chier que 71%. Malgré les aides et tout, j'ai que 71%, mais putain, 10 heures. Moi, c'est un jeu que je ferai une fois, je me sens pas de le faire deux fois. Hein. Ça m'a trop crisé, quoi. C'est pire que Demon's Souls. Ça m'a trop pris les nerfs. C'est pas un jeu qui se détend. Elle se met à poil si on termine le jeu en moins d'une heure, je crois. Donc là, je vais faire une save state. Parce que là, il n'y a rien qui prouve. Il faut faire start. Non, on peut pas. Là. On est obligé de faire reset le jeu et il n'y a aucune save state, il n'y a aucune sauvegarde qui le... Bizarre. On se met en bikini et non pas à poil. Au poil. Ben moi là maintenant je vais jouer à Dark Souls 2 sur ma PS3 mais je vais pas streamer.
parce que je stream plus la PS3, le rendu est pourri. Moi, sur l'écran, j'y vois rien. Sur ma télé pourrie, elle n'est pas HD. Si elle était HD, je le ferais. Mais j'y vois rien à l'écran. Et donc, comme c'est un jeu, s'il n'y a pas l'immersion, les jeux PS3, si on n'y voit rien à l'écran, c'est pas très intéressant. Donc, merci d'être passé. Sur ce, ben, ciao Pépito. À moins qu'il y ait un truc à dire en plus. Mais j'ai pas d'idée là. Ouais, le jeu, ouais, il reste coincé comme ça, on peut plus faire autre chose. Non, Jojo, je l'ai acheté hier, mais ouais, je le recevrai, j'imagine, mercredi, un truc comme ça. Mercredi prochain. Et après, si je suis au chômage, j'aurai plus de temps, mais pas spécialement pour streamer. Peut-être j'aurai plus de temps pour me soigner et trouver un vrai médecin qui arrivera à me soigner, parce que j'en ai déjà vu deux, simplement deux, et finalement ça sert pas à grand-chose. Ouais, Jojo Battle, le jeu de baston de 2,5D en cel shading et tout quoi. Il paraît qu'il serait un peu rigide le jeu, mais j'ai vu graphiquement c'est tellement en space, tellement bien fait et tout, ça nous change de. Ouais. Graphiquement et tout, je connais pas la BD, mais j'ai entendu parler bien sûr d'un truc, vu que c'est beau quoi. C'est plus classe vu que c'est un dessin animé, mais un dessin manga. Bon. Mais voilà, graphiquement, c'est ça qui m'a. Pour ça que je l'ai pris. Et je crois qu'il y a 32 personnages, donc ça va. Après, je sais pas si je vais comprendre les cancels, toutes ces conneries. Mais là, je l'ai eu pour 5 euros avec les points Price Minister. À force, voilà. Donc, bah écoutez, ciao Pépito, je vais essayer de mettre une musique de fin, je sais pas trop. Hop. Ciao Pépito, à plus mes puces. Thank you.